Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 sur la campagne qui se lève. On continue notre aventure et j'ai fait un petit tour du coup comme promis des bâtiments. Donc j'ai pris deux décisions. Déjà on va investir à Novzdotchi pour améliorer les mines de cinabre qui vont mine de rien pas mal booster nos revenus rien qu'en commerce. Et bien sûr qu'on s'ouvre une palissade puisqu'on n'avait aucune défense ici. Ça va quand même aider. À l'Oblast de l'Est, on a atteint le maximum en fait partout, là on est à 3 partout, dans les, enfin ici ça va bientôt être terminé. Et du coup j'ai décidé de détruire le négociant, puisque le négociant n'apporte rien de plus que de la thune, ce qui est très bien. Hein. Sauf que grâce à ce bocage consacré là, qui donne des boosts aux revenus des fermes, et qui arrivé là donne 50% donc quand même de boost aux revenus des fermes, nos fermes qui au niveau max feraient 100, feront 150. Ce qui est quand même pas mal. Du coup, ça correspond à une ferme niveau 3 correspond à un négociant niveau 2. Plus tous les autres bonus. Même si la croissance va plus servir à grand chose en l'occurrence. Ça pourra toujours servir si une ville se fait raser. Et du coup, si on construit une ferme ici, ça va quand même nous permettre à terme d'avoir plus d'argent. Ce qui est très très intéressant puisqu'on aura 2 fois 150 au lieu de une fois 200 et une fois 100 quoi. Alors, bien à peu près au même hein, vous me direz, mais on a les bonus de recrutement et 2 fois moins 30%, je sais pas si ça se cumule, on verra, c'est quand même pas mal. Du coup je crois qu'on était bon pour ce tour hein. Ici on est prêt, on campe un petit coup pour se refaire. Je pense qu'on va pas camper 2 tours hein. On va attendre un tour et après on va avancer. On a vu que là on était quand même capable de gérer, ici c'est une grosse armée. Mais on pourra peut-être l'éviter s'il y a des sites de faire le tour. On verra comment ça se passe. Dans tous les cas, l'objectif hein, c'est d'arriver là. On va, je pense pas accepter les récompenses des cercles, même si j'ai l'impression que c'est quand même sacrément intéressant. Ici, prochain tour, on essaie de voir si on peut pas tomber sur le Skaven. On va donc voir ce que font nos ennemis. C'est parti. Ici, il y a moyen que Malphos tombe, même si je pense qu'il va pas pouvoir s'en tirer seul, la copine là. Ok, donc visiblement, il se déplace jusqu'à se mettre en face des portes en fait. Après, il bouge plus. Alors, ici, c'est l'assaut sur le pic de Kurak. Non, il assiège. Alors, l'enclave, qu'est-ce qu'elle va faire de beau? Elle passe en mode raid, ok, pourquoi pas. Je vous la montre. Du coup, le clan Mulder, est-ce qu'il attaque? Il décide de se barrer, et ici, il passe en mode campement, ok. Il va avoir une bonne position défensive, hein. Mais cela dit, il a très peu de tireurs, vu qu'il est sur le pont. Il a très peu de tireurs, donc je pense que même sa position défensive, on pourra le découper. Yannick Fronceur passe en mode souterrain, ok. Les Sarles ont été détruits. Ah. Donc là, on est de pire en pire. Autorité moins 10, commandement moins 15. La défense, commandement moins 20, défense en mêlée moins 20, autorité moins 10, autorité dans toutes les provinces. Donc ok, donc en fait, plus on reste longtemps, plus le trait devient pourrave. Fait comme l'oiseau, il suffit de prononcer un seul mot pour que toute la raison disparaisse. Chen. Les rumeurs disent qu'un immense oiseau noir est le premier à l'avoir proféré. Tous ceux qui l'entendent ne peuvent plus rien dire d'autre. Pris d'un fou rire hystérique, ils hurlent ce mot à tous ceux qui les entourent. Chen, 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 chen. D'accord. Un petit peu de corruption de Tsinch de partout. Nickel. Alors ici, est-ce qu'on se tente un petit assassinat avant? Je pense que oui, 67% de chance. Voilà. Là, il va peut-être même se replier si on l'attaque. Ouais, il se replie. On va le poursuivre bien sûr, on devrait avoir la portée. Malvinette hein, qui mine de rien rattrape quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Voyez la technologie, ça pourrait toujours être un truc. Avec tant qu'une unité, je pense qu'il y a moyen qu'on s'en serve un moment. Allez, c'est parti. Victoire à la Pyrrhus, mais on perd aucune unité. Bon, on va la faire. On va faire quand même, on est quand même là pour voir un petit peu le jeu. Une victoire à la Pyrrhus, on peut se permettre. Du coup, ils ont pu. Ils ont quand même un sorcier encore, mais on voit pas leur jauge de magie. C'est-à-dire, on leur a tellement laminé la magie que. Il va y avoir une espèce de petite rivière.
Le seul tireur qu'ils ont. Non, je crois qu'ils ont même aucun tireur. Ça, c'est un scaven à la lance. Un esclave à la lance, c'est même pas un tireur. Donc, ils ont zéro tireur. Nous, on a que des tireurs. En général, ça se passe pas bien quand c'est comme ça. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de tireur. 14, ça me va bien. Alors, on va se placer sur cette zone. S'il veut se mettre en bas ou autre, ça me convient. Hop, vous allez vous mettre, je pense, devant en vrai. Pisse-pousse, prête à se battre. C'est parti. Toc, toc. On avance, les archers y vont derrière. Niveau 7 quand même, hein, mine de rien, Pisse-pousse. Elle déconne pas. Allez, c'est parti. Il décide de nous venir dessus. Il la joue ce qu'elle veut, ils nous viennent dessus. Du coup, on va courir pour se mettre en position. Et on va voir s'ils peuvent arriver au contact. Toi, t'as quoi? Toi, t'as moyen de les ralentir quand ils seront dans la zone. Et toi, t'as ta petite tempête de glace des familles. Recentre-toi un petit peu, toi, pour pouvoir lancer ton sort. Alors ça y est, ça commence à tirer. En avant. Ok, c'est parti. Les cossards en armure, ils allument aussi. Toi, t'as peut-être moyen de lancer une petite tempête là. Par exemple là, là, en plein dans leur chemin. Ça va faire mal un peu à ceux-là, un peu ceux qui arrivent derrière. Nos cossards à lance, ils sont du mauvais côté, bien sûr. Courez donc par ici. Ok, leur premier sort. Là, vous reculez. Hop là. Ok, les cossards à lance se sont un petit peu fait choper ici. On va tirer là-dedans. Toi ma chère, va filer un coup de main là. Comme ça tu seras bien placé pour mettre un petit sort bien dans l'angle là. Hop là. Voilà, donc ici il fait un peu un petit peu mal. Vous demi-tour là. Vous pouvez tirer sur ces gens s'il vous plaît. Tant qu'à faire, vous faites-vous le prophète. Machine pour l'instant. Vous là, qu'est-ce que vous foutez? Vous courez par là plutôt. Il court partout lui pour pas qu'on lui tire dessus, mais bon, pendant ce temps là... Vous voulez pas tirer vous? Allez-y, bougez-vous les fesses, sérieux! Bim! Ça suffit à casser leur morale, c'est nickel. Alors eux, ils arrivent plus à tirer. Il va falloir reculer un petit peu. Voilà, parfait, là ils sont en déroute. Bon après c'est du scaven, hein. Ils sont faits pour se mettre en déroute et revenir. La bonne nouvelle c'est que on est quand même très bien équipé pour leur tirer dessus quand ils reviennent. Et quand ils fuient surtout. Et ça c'est très cool. Donc ici, il y a encore un petit peu de monde. Il va falloir aller filer un coup de main, je pense. Vous allez par ici. Machine, cours par là. Là, on peut lancer une petite tempête de glace, bien placée juste là dans le tas.
Lui il décide de reculer. Tu pourrais aller t'occuper de lui toi à un moment hein. Vas-y. Ok, la tempête de glace a fait le taf, c'est la déroute. Personne qui revient. Non. Il reste plus que le petit chef là. Bon, on a zéro cavalerie donc on va pas tenter le diable en prenant du tirami, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. 48 pertes seulement. Ils ont du mal contre les armures, les Skaven. Hein. C'est nos cossards avec lance compris globalement. Parce qu'ils sont un petit peu à poil. Les esclaves, j'ai même pas vu qu'ils avaient chargé. Même lui avec ses sorts, ils sont quand même plutôt résistants à la magie, hein, nos troupes, hein, mine de rien. Alors, un petit peu de sous. Oh, du commandement. Non, on est sur notre territoire, donc on va prendre l'argent. Et c'est la destruction de l'armée. Parfait ça, un petit bouclier enchanté, nickel. On passe en marche forcée et on retourne à Prague. On met un petit boost de... Voilà, d'autorité pendant qu'on y est. Et donc toi du coup... On va te donner un petit peu de morale parce que t'as quand même du combat pas forcément facile à faire. Donc ici, on a terminé de détruire ça, on va faire... Une ferme, on a dit. Ça coûte combien? 3000? Ah non, 500. Ouais, c'est mieux. Une petite ferme. Ici, il faut qu'on fasse des murs. Voilà, on claque la thune, mais il faut qu'on défende cette zone. Et donc là, on a campé. Et effectivement, elle s'est foutue devant la porte. Alors si on veut aller jusqu'à l'autre porte, ça va nous prendre des plombes. Donc je pense qu'on va faire le combat, du coup, probablement. On marche, donc en marche normale, on peut aller jusqu'ici. Alors c'est vrai que j'ai oublié, mais on peut marcher quand on est en campement. J'aurais dû rester en mode campement, normalement là on est bien, on va pouvoir camper du coup. Un tour supplémentaire histoire de se refaire, et au prochain tour... Ah oh, mais je pourrais presque rentrer dedans, tu peux rentrer dedans? Ah oui, je peux rentrer dedans. 40 000 et le cercle de la gourmandise. Les tables de banquet couvertes des meilleures messes est à la perte de vue. Une armée marche sur son ventre, dit-on, et il y a assez de nourriture ici pouvant être envoyée par-delà le voile pour nourrir vos forces et contenter vos sujets. C'est du moins ce que prétendent les serviteurs démoniaques. Les affamés auront toujours faim. Descendre au niveau suivant. Bon, on va descendre au niveau suivant, du coup. En plus, on est en mode campement, donc s'ils nous attaquent pas, on va pouvoir se refaire. S'ils nous attaquent, bah, on la défoncera. À l'ancienne. Et on a 200 de dévotion. Ça c'est cool, on va utiliser de la dévotion, bim, pour le faire reculer. Alors on est à zéro là, ça va dire que ça peut partir en sucette. Mais l'objectif c'était de gérer ça. Qui vous êtes-vous? Ah les sœurs Lamiane, ok. Ah oui, on est, je suis complètement à côté, d'accord, ok, très bien. Pas de problème, pas de problème. Tout va bien. Donc du coup, on n'a pas de sous à investir pour ce tour-là, mais... Ça va tranquillement se changer, on va passer autour de nos ennemis, voir ce qu'ils nous proposent. Oh là là, il va comment tellement mouiller, douiller le nain là. En train de prendre de l'attrition de partout. Ah, ça c'est plus gênant. Donc ici, elle continue de faire le tour, elle va probablement viser cette porte là qui est de notre côté. Est-ce qu'elle nous attaque? Bon, elle, je sais pas pourquoi elle se déplace, de toute façon je crois pas qu'on puisse remonter. On peut peut-être remonter, cela dit, hein, c'est pas impossible. Mais elle nous attaque pas. Donc techniquement on pourrait l'esquiver. Et ça nous donnerait quand même de la dévotion si on tapait dessus. Hein. Bon, là les Skaven je pense sont plus une... Encore que... Où est-ce qu'ils sont passés? Les enclaves là. Est-ce qu'ils ont combattu, qu'ils se sont fait buter? On va regarder un peu l'équipe des forces. Ah, ici on a un petit nain qui se balade. Qui prend de l'attrition, je sais pas pourquoi, mais... Ah oui. D'accord, il s'énerve là. Ah, bon bah, ça c'est fait.
Incursion du chaos. Oh bah putain. C'est mal barré cette cité, il lui reste un tour pour avoir son mur, à mon avis ça va pas le faire. Hein. En plus c'est une armée plutôt énervée qu'elle a. Il va falloir que Peace pousse Trace. De préférence en passant par là pour recruter quelques troupes. Malvinette, là, là, lui, alors du coup, vous. Vous en êtes tout niveau équilibre des forces. Non, je pense pas qu'ils ont perdu leur armée. Hein. Je ne pense pas qu'ils aient perdu leur armée. Ah, là, on aurait possibilité d'un accord commercial. Pour 500 balles. On prend. Ça va être remboursé par notre quête. Même si en attendant peut-être un tour ou deux, ça se serait fait, mais on gagne 1000 là, donc on termine une quête. C'est pas si mal. Malvinette, hein, tu vas laisser les scavens de côté, tu vas tracer ta route également par là. On va avoir besoin de tenir ici, enfin probablement de reconquérir plutôt, mais on verra ça. Le rite de loyauté du tsar. Toc. L'appel à la prière. Ouais. Coup de l'action du héros, c'est pas ouf. On va prendre ça, je pense. Non, on va prendre ça. Endenor, autorité du capitaine. En fait, les techs niveau 2 sont pas ouf de manière générale. Si on va, je pense qu'on va prendre ça. On va essayer d'avancer par là. Bon, c'était couru d'avance qu'on allait se prendre une invocation hein, avec ce qu'on a fait là. C'était clairement, prévisible. Mais au moins on a mis un petit peu de retard pour eux, donc ça c'est cool. Du coup là ils nous ont pas attaqué, on est full. Donc on va se faire ce combat. Je pense qu'on va même se le faire en auto pour une victoire décisive. 12 de dévotion. Ouh, on prend la reconstitution. On va prendre la dévotion parce que je pense qu'on va pouvoir se remettre en campement. Une épée du tourmenteur, ok. Yes, on peut se remettre en campement et avancer vers cette porte. C'est parti. Et on a gagné des niveaux pour tout le monde. On traîne un petit peu hein, dans cette zone, mais bon, bah, c'est comme ça. Taille de l'aura de commandement, attaque en mêlée, défense en mêlée, un petit supprimer la corruption de plus. Allez, un petit supprimer la corruption. Un petit vent mordant amélioré, ça me va bien. Et toi, t'es niveau 20 quand même, hein. Traque du léopard des neiges. Ah. On pourrait peut-être commencer à aller chercher un peu ça. On va améliorer nos gardes de giges, puisqu'à un moment on va finir par en recruter, j'espère. Nourrissez vos désirs, abandonnez-vous à eux, rien d'autre ne compte et ne comptera plus jamais. Alors, avec notre argent durement gagné, Prague, ça commence à s'améliorer mais c'est pas ouf. Est-ce qu'on peut pas avoir un truc qui met de la croissance? Plus de thunes. Corruption. Non, on n'a pas vraiment de croissance, donc on va prendre l'argent. Ici par contre, on peut améliorer des choses. On pourrait améliorer une église en cramant notre, un petit peu de notre dévotion. On va faire un hara déjà. Et je pense qu'on va améliorer ça tout de suite. Ça va faire deux de dévotion de plus. Ce sera pas un mal. On va garder un petit peu de sous parce qu'il va falloir qu'on recrute au prochain tour. Donc niveau diplomatique, vous là... vous êtes un petit peu dans le mal. Il a pris cette cité. Il a pris cette cité. Donc il est un petit peu plus dans le calme. On pourrait lui demander d'aller s'occuper de genre ça. Et vaincre l'armée de Raziel. Non, ça nous arrange pas du tout. Aller sur un cercle, on est déjà, non? Ouais, aller sur le cercle, on est déjà. Donc non, on va pas battre l'armée de Raziel. La grande orthodoxie nous aime de mieux en mieux parce qu'on fait des trucs contre le clan Mulder, ok. Et on est de plus en plus forte face à eux. Ce qui est très cool. Là je suis content quand même d'avoir réussi à choper
ce commerce avec eux, mais il faut vraiment qu'on arrive à trouver plus de ressources à échanger. On exporte tout, hein. Même là on a amélioré, on va améliorer mais on va perdre ça, donc on va perdre en plus des revenus. On va passer autour de nos ennemis, mais à mon avis cette cité là, elle va... Après qu'un peu de bol, ils vont se taper dessus, hein. Non, ils sont pas ennemis. Ah, de toute façon, même si jamais on arrivait à gagner, derrière il y a l'autre armée qui nous tombe dessus pleine et pleine. Donc non, on va la faire la résolution auto. Ça sert à rien de faire un combat épique pour de toute façon tout perdre derrière. Au moins les autres vont probablement reculer. Elle nous poursuit, mais on va pas l'attendre, hein. On va prendre le portail, je pense, dès le prochain tour. Et là, il tourne dans ce sens là, d'accord, ok. Il tourne dans ce sens là, il aurait pu tourner dans l'autre sens, mais visiblement il tourne que dans un seul sens. C'est marrant. Ouais, on a perdu quand même pas mal en équipe des forces avec cette seule ville tombée, hein. J'aurais dû annuler les bâtiments, ça m'aurait fait un peu plus de sous. Mais bon, c'est comme ça. On va pas toujours recharger pour les petits trucs qu'on a ratés. L'autre cité devrait être à même de tenir par contre. Au moins un petit peu. En plus. Alors, colonie perdue, très bien. Il y a eu des guerres déclarées. On s'en fout. Mais ceux-là, ouais, ils sont en guerre eux, hein, donc ça c'est bien des rebelles, donc du coup ils vont se taper dessus, même si ça reste relatif. Là, on a quand même une armée potentiellement énervée. On a quand même une belle garnison là par contre. Deux gardes du tsar, du cossard en armure lourde, pas mal de lanciers, on a toujours qu'un seul archer, on a un peu de cave. On peut tenir, hein, avec cette cité on peut tenir. Au moins un, si ce n'est deux, deux batailles. Allez, ici on avance par là. Malvinette, elle va aller booster un petit peu ici. Tiens, c'est un petit peu moins que Prague, mais c'est pas grave. Prague rapporte quand même pas mal, hein, mine de rien. Alors, ici, c'est Bella qui gagne un niveau. On va lui donner en reconnaissance. Et donc ici, il faudrait qu'on recrute un petit peu, deux comme ça, ce serait bien. Et on va pas être trop gourmand non plus. Ça suffira pour l'instant pour aller reprendre ce qui sera dans le mal. On pourra investir dans une église, mais pour l'instant on va pas le faire. Ici, est-ce qu'on peut prendre la porte? On peut prendre la porte. Allez, on descend. Qu'est-ce qu'on nous propose? 50 000 relations diplomatiques plus 20. Les actes de dépravation aveugle se déroulent partout où vous posez le regard. De plantureuses demoiselles et des hommes incroyablement beaux copulent. La chair frémit, les corps exultent, les râles d'extase. Vous joindrez-vous à nous? Disséminez la semence. Ah la vache. Frayer avec les compagnes du prince du chaos vous donnera beaucoup de plaisir et regarnira vos armées. Les concubines sont toujours fertiles. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Et pendant ce temps-là, on se refait. Personne n'est à portée, puis l'autre s'est barré par là. Elle est pas au bon niveau, mais je pense qu'on va pouvoir la combattre en arrivant là. On va partir par ici probablement. Et on sera refait à 100%, mais à mon avis, on va se prendre le niveau d'après. Hein. Je pense que ça doit être dans pas longtemps qu'il va nous tomber dessus. Donc nos revenus se sont recassés la figure, ce qui ne me plaît pas, mais tant pis. On peut pas agir dessus directement. Ouais, ici c'est un climat désagréable, donc c'est merdique à prendre quoi. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils font nos amis les exilés de Korn? Est-ce qu'ils vont enchaîner? Ils envoient un mec par là, ok. Ok, elle va venir chercher le combat là, elle, donc on va pouvoir la gérer.
les démonettes d'Elector Leshwarp. Sympathique comme nom. La fraternité de l'ours, est-ce qu'elle décide à bouger? Oui, on dirait qu'elle a décidé de prendre la décision de nous suivre, ok. C'est plutôt cool. Ils ont une belle armée aussi, hein, mine de rien. Bon, je suis un peu triste pour les nains là, mais honnêtement, on pouvait rien faire pour eux. C'est déjà compliqué de tenir notre territoire là dans la neige. J'ai les deux avec leur malus là, ils sont relous. Ils sont très très relous. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fait. Il espérait attaquer l'orque avec 3 unités. C'était un petit peu trop présomptueux de sa part. Ici, il nous assiège. Ah, il amène une armée de renfort. Ah, ça va peut-être être tendu là par contre. On est assiégé, cauchemar vivant. Ça y est, on est dans le mal. Piller cette région. Ouais, pourquoi pas. Ça devrait pas être trop compliqué. Pisse-pousse se rapproche doucement. Il faut quoi pour passer en raid? 25%. Ouais, c'est trop. Donc on va aller jusque là. Follow the path. Et on va recruter un petit peu, je pense, 2 cossards supplémentaires. On va envoyer Malvinette par là-bas, si éventuellement elle peut amener à... Ah, ils sont passés à 16, ils étaient pas à 20. Ah, ils ont perdu des unités, c'est bon ça. Ça me va très très bien. Niveau thune, on va être dans le mal, on va être clairement dans le mal. Donc ici, on peut se permettre de passer en marche normale parce qu'on est refait entièrement et on va prendre le portail. Alors ce que je sais pas, on dirait que ça joue que sur elle, hein. Défense en mêlée, commandement, c'est que pour elle. Dans ce cercle, il y a tellement d'armées qu'elles noircissent les plaines et toutes sont prêtes à vous servir. Ceux préférant les intrigues politiques se voient offrir des vassaux à gouverner et des états fantoches à contrôler. Sur quel pouvoir allez-vous compter? 60 000 de trésorerie, durée de recrutement global, moins un tour, il n'y a même pas de durée, hein. C'est cadeau quoi, on peut complètement faire ça et revenir après et prendre les trucs à vie quoi. Rang d'unité 9 pour toutes les unités dans cette armée. Waouh! Nous devons continuer. Et on arrive près de cette armée là. You will touch me only in dreams. Et une fois qu'on aura géré cette armée là, ce sera la dernière hein, parce qu'il n'y en a pas au niveau tout en bas. Et on attaquera le palais de Slaanesh ensuite, très bien. Il faut qu'on commence aussi à prévoir du coup d'enlever nos traits. Donc si on va genre à Kislev, chance de supprimer un trait obtenu lorsque l'expédition dans le royaume de Chaos plus 50%. Donc là ça fait 50%. 50% c'est pas 100. Est-ce qu'on a des bâtiments qui permettent d'améliorer ça? Non. 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 On va regarder direct le niveau max. Non plus. L'église peut-être, elle ferait ça. Non plus. C'est censé être dans la chaîne de protection. Défense. Ah oui, il nous faudrait le poste de patrouille de nuit. Ça fait plus 50%, donc théoriquement ça fait 100%. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant quand même. Mais bon, est-ce qu'on va avoir le temps de le construire d'ici là? Je ne sais pas. Ici, ils continuent de prendre de l'avance. On est à 5, mine de rien. Par contre, ils sont à 6. Avant, ils étaient à 7, donc ils ont dû perdre quelque chose. Ils sont peut-être en train de reculer quelque part. Je sais pas où. Donc lui là il arrive à la vitesse où il peut. Il va peut-être se faire intercepter là, on verra.
ici, bah ici on va peut-être tenir s'il y a une armée, après ils sont 16, on verra, on va voir. On va passer le tour et on va voir ce qu'on nous propose. Ici l'exilé de Korn il peut plus faire grand chose puisque de toute façon il est la ville est assiégée. Donc il se balade, très bien. Ah, on a des véroleurs de Nurgle qui commencent à arriver aussi du nord, c'est un peu la merde le nord, dites-moi. Ça c'est une faction qu'on connaît pas. Mais c'est du Tsinch, on dirait. Crâne rouge, il décide d'avancer par là. Ce qui m'arrange pas tant que ça au final. Ah, il a décidé de faire demi-tour. Ouais, il a, l'armée là commence à être trop menaçante, je le comprends. Non, je suis d'accord, je vais lui demander d'attaquer ça plutôt. Ça sera plus pertinent, il sera content. Toi, faut que t'arrêtes de faire des allers-retours en prenant de l'attrition pour que dalle quoi. Je sais pas ce qu'il voit ici, que nous on n'a pas la vision. Qui fait qu'il joue ça, mais c'est un petit peu, ça me paraît un petit peu débile. Alors, est-ce qu'il lance l'assaut? Il lance pas l'assaut. Ici, par contre, il y a assaut. Alors, ici, on a 14 unités face à des guerriers du chaos de Korn. 100 d'armure, 75 de commandement. Ça va être la violence, des sanguinaires de Korn, chars éventreurs de Korn également. On n'a pas une armée d'élite nous hein. Mais bon, on nous demande de faire le raid et ça rapporte un max de thunes. Donc on va le prendre. Lui il raid sa propre zone, hein, il n'a rien à foutre. Mais on va faire le raid ici, ça va nous faire un petit peu de sous, on est hors de portée de toute façon de lui. Peut-être que s'il se met en mode normal, on sera à sa portée, mais bon. Ici, on peut aller éventuellement foutre un peu la merde. Il n'y a pas de héros à éliminer. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est attaquer des unités. On peut attaquer le chef de tribu. Ça peut se faire. Succès de Malvinette, parfait. Ah oui, un bon tir quand même. Bien joué Malvinette. Ça pourra nous aider un petit peu. Ici il y a 0 de raid parce que de toute façon la ville est assiégée donc pas grand chose à raider. Ici du coup on est bien. Là aussi on n'a plus de sous de toute façon. Donc ici on va pouvoir faire ce combat et gagner un petit peu de pépette. Victoire de justesse. C'est quoi ça? Ils ont un cossard charmé, c'est ça le délire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ils ont charmé un de mes cossards! Ah putain! J'ai oublié de mettre ça du coup. Immunité à la psychologie. Ça va être pour toi. D'ailleurs, t'es peut-être déjà immunisé à la psychologie, non? Non. On va la faire en auto. Et donc, du coup, on a perdu une unité, quoi. On gagne de la dévotion. On va prendre. Alors, on va prendre. On va prendre quoi? Parce qu'au final, on va avoir quelques tours avant de descendre. Non, plus vite on ira, mieux ce sera. Victoire contre Slaanesh. Ouais, donc en fait c'est ça, les unités de Slaanesh peuvent charmer des unités, enfin les armées de Slaanesh peuvent charmer des unités et ils m'ont charmé un cossard. Du coup on a perdu une unité quoi. C'est pas cool, c'est pas cool du tout. Ça c'est un peu naze, ça on s'en fout. Vétéran de guerre. Non, bon, c'est pas mal au final ton équipement pour l'instant, au niveau des objets, une armure éventuellement, une lame, mais t'as déjà ce qu'il faut. Non, elle est plutôt pas mal. Ici. On n'a pas une petite armure disponible, non. Arme, objet arcanique, le bâton interdit, non, t'as déjà ce qu'il faut. Par contre, au niveau auxiliaire, il y a peut-être moyen d'en prendre, là. Non, pas que tu peux équiper, et toi? Toi, tu pourrais prendre le sorcier de village, vas-y, prends le sorcier de village. Et
puis bah ce truc là tant qu'à faire. Toi tu... Pff, non là, l'étendard des steppes désertes franchement ça m'intéresse pas du tout. Ça c'est bien par contre clairement. Objet enchanté on en a toujours pas. Non t'as une lame d'éclat de givre, c'est parfait. Le bâton interdit, t'as un parchemin vampirique. Malvinette, elle est déjà très bien équipée. Et Bella par contre on peut lui filer un petit peu de trucs. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre le bâton interdit. Au niveau des auxiliaires, est-ce qu'il y a des choses que tu peux équiper qui sont équipées par personne? Non, fusionner, c'est quoi? Fusionner deux objets magiques de catégorie de garantie identique pour les fusionner. Ah, on peut faire ça. Ah, c'est cool ça. Comment ça marche? Je les coche. Je peux les récupérer ou je peux les fusionner. Oh, c'est marrant, c'est énorme ce truc, je l'avais raté. Et on a eu une armure du coup, verte. Alors, sur toi, c'est peut-être pas ouf, mais... Sur toi, par contre, c'est très bien. Ah, c'est énorme ce truc! Baline du trompeur. Bah, c'est pour toi, Malvinette, allez. Alors, on va faire les niveaux. Ici, on a deux niveaux quand même. Hein. On pourrait prendre ça, mais on n'a pas trop d'échecs. Maîtresse des glaces, on n'a pas du tout été chercher ça encore. C'est quand même un seigneur légendaire, ça sera dommage. Dévotion générée plus 2 par tour. Ah oui, bah j'aurais peut-être pu le prendre plus tôt. Reine Khan. Ça, c'est disponible au rang 20. Ok, donc elle a déjà son ours. On peut lui prendre en reconnaissance. Là, on est au max. Est-ce qu'on prend l'ours ? Il perd même pas en vitesse si on lui file un ours. Hein. Donc on va lui filer un ours. Voilà, on est bien. Et donc du coup, l'objectif c'est d'avancer... non, c'est toi du coup. Tu peux pas avancer direct, hein, sérieusement. Alors, donc pas de campement. Par contre, ça prend deux tours même de recruter ça, quoi. Fait chier. Fait chier, fait chier. On peut pas se permettre d'attendre aussi longtemps. Donc on va se passer pour l'instant de ça. On va avancer le plus vite possible jusqu'ici. Normalement deux tours on devrait être capable de le faire. Et puis bah après on verra si jamais il se passe un truc là, mais je pense qu'on va avancer comme ça. 177 à 117. On les rattrape pas encore, mais petit à petit on y travaille en tout cas. Ici la croissance avance. Alors là, on pourrait améliorer ça, mais ça sert pas à grand chose. On pourrait améliorer ce truc là et au niveau max. 1470 et 1470, on va prendre ça. Ça va nous faire un petit peu d'argent parce que là, on est vraiment dans le mal. Et on va prendre une église également. Et prochain tour, on va être totalement dans le mal. La Légion du Chaos qui arrive par ici. Très bien. Les exilés de cornes également, qui font plaisir. Alors eux, pour l'instant c'est juste un héros, mais j'imagine que l'armée va suivre. Et je me suis gouré, je suis en train de raider Plesk, putain, quel con. Tu m'étonnes qu'il a fait demi-tour. Faut que j'arrête ça tout de suite. J'imagine très bien qu'il y a des gens qui se sont excités dans le chat, enfin sur le, dans les commentaires. Du coup il m'attaque. Il m'attaque, d'accord. Bah du coup on va faire ce combat mais on le fera lors du prochain épisode. Là c'est peut-être la petite erreur tactique mal gérée qui va nous mettre dans la merde. Mais on verra ça très rapidement, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous.